un cri dans notre crise. Psaume 114, verset 3. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Auditeur de pain divin. Il s'agit ici d'un spectacle de désolation. Le temple de Dieu vient d'être détruit par les ennemis de son peuple. Apparemment, aucun secours n'est possible et tout moyen d'échapper à la catastrophe a disparu. Le désastre est absolu. Tel est le contexte dans lequel s'inscrit le psaume 114. Mais ce texte ne concerne pas seulement le peuple de Dieu plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il nous parle à nous aussi aujourd'hui. Il nous livre l'image d'une âme qui a désespérément besoin de Dieu. Non, les ruines ne sont pas matérielles et le temple n'est pas fait de pierre. Cette image nous parle parce que nous savons maintenant que la demeure de Dieu dans l'Ancien Testament fait référence au cœur du croyant dans le Nouveau Testament. Et sans doute, avons-nous tous, un jour ou l'autre, ressenti le besoin de demander à Dieu. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Nous voulons que Dieu vienne visiter la désolation qui est en nous. Nous avons besoin qu'il vienne parcourir les ruines de notre vie. C'est la miséricorde de Dieu qui nous amène à ce stade, même si nous sommes loin de ressentir sa bonté. Il nous paraît très dur. Dieu nous laisse courir dans la voie de la rébellion et il permet souvent à nos cœurs apathiques de nous mener vers des conséquences pathétiques telles que condamnation, désespoir, grincement et manque. Mais tout cela n'est que grâce. Nous ne pouvons pas connaître Dieu à moins de réclamer à grands cris qu'il vienne visiter notre désolation. Pour cela, nous devons en arriver à crier à lui. Votre vie est-elle déjà apparue comme un spectacle de désolation? Avez-vous déjà dû consoler un frère ou une sœur dont la vie était en ruine? Vous savez alors que le cri du psaume 114 est légitime. Il est nécessaire d'en arriver à ce stade. Le stade douloureux où les nerfs de l'âme sont à vif et où le réconfort de Dieu semble bien loin. Apprenons à considérer cette étape comme nécessaire pour nous approcher de lui. C'est là que Dieu vient nous rencontrer. Il ne nous aurait pas permis de chuter s'il n'avait pas formé des projets pour nous relever. Bien-aimés, nos limites sont les portes ouvertes du Seigneur. Très bonne méditation à vous. Shalom!